Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal dont l'actualité est consacrée à la rétrospective de la semaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce samedi à Luanda, en Angola, pour participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, dont l'objet principal est d'examiner les questions liées à la consolidation de la paix, de la sécurité et la gouvernance dans la région, mais également les budgets des pays contributeurs ainsi que le déploiement de la mission de la SADC dans l'Est de la République démocratique. Le compte à rebours a commencé pour les élections 2023. La CENI prend de son côté les dispositions d'ordre logistique, notamment avec l'impression des bulletins de vote personnalisés à l'usine Meru System en Corée du Sud. Une délégation de la centrale électorale qui séjourne à Séoul a palpé du doigt les travaux de cette impression. Suivez. Sur place à l'usine de Meru System, à Séoul en Corée du Sud, où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisés. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante, en mission en Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en trois grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par circonscription électorale, la zone de vérification et et enfin le conditionnement avant la palettisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international des Chiam de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé de bulletins de vote par circonscription électorale. Autre travail pas moindre qui se fait à l'usine Meru System, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquettes spécifiques et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qu'est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'ensuivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. À l'étape de la palettisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est de 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir un ou deux cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite des scrutins. Toujours au chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante a lancé hier vendredi les travaux du forum sur l'observation électorale citoyenne. Le forum s'est tenu à Kinshasa et il a été lancé par le président de la CENI, Denis Kadima. Reportage, Déborah Mpéti. C'est en présence des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, les représentants du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers des missions d'observation électorale nationales et internationales, que le président de la CENI a lancé les travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne. Denis Kadima a souligné que cette rencontre est une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans des camps opposés. La CENI veut par ce forum mettre en place un nouveau code de conduite en partenariat avec les différentes organisations qui sera les résultats des discussions et contributions collectives pour améliorer les processus électoraux. Direction le Sénat pour parler du nouveau texte sur l'aménagement du territoire présenté par le ministre de tutelle Guy Luando. C'était au cours de la séance plénière tenue ce jeudi. Ce projet de loi initié par le ministre Luando a tant comblé un vide juridique d'environ 65 ans dans ce secteur. Les sénateurs ont tenu de leur côté à savoir si cette loi est en synergie avec les autres ministères sectoriels afin d'éviter un chevauchement dans les attributions, la réglementation de la voirie et le plan d'aménagement de la capitale. Il y a un projet sur Kitombo. Kitombo, qui consiste à étendre, parce que la ville pouvait être à ça,
après les informations, nous n'occupons que 30% des Kinshasa. Et ce n'est pas pour ça que nous occupons. Pour ça que vous voyez, à Yolo, à Matongé, cette congestion, parce que tous nous voulons, et le matin, tout le monde va à la Gombe. Et le soir, nous rentrons comme ça. Il faut régler cette question. Donc le gouvernement a pensé à ça, par la création de Pitokovi, qui va faire à ce que certaines institutions qui sont ici à la Gombe, on ait des institutions en dehors de la Gombe. Encore une fois, c'est vous, le Parlement, qui devra décider de ce qu'il en est. Et les experts, le Premier ministre a conduit les grandes délégations à l'extérieur du pays, les experts travaillent parce qu'il fallait faire un audit foncier. Or, tous ces projets du Togo, on a besoin d'au moins 80 000 hectares pour construire cette nouvelle ville intelligente avec les institutions là-bas. Le Sénat a aussi examiné au cours de la même plénière deux initiatives de contrôle parlementaire qui ont été déclarées recevables. Il s'agit notamment de deux questions orales avec débat adressées au ministre des Finances. La première est initiée par le sénateur Ladi Yangotikala sur la situation critique des finances publiques et la seconde par le sénateur Célestin Vunabandi sur la gestion des biens d'Isaïrianisés. Les deux initiatives seront notifiées au ministre des Finances Nicolas Kazadi, a fait savoir le speaker de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Modeste Bahati. Restons au Sénat pour vous dire que les agents de l'administration de cette institution vont désormais travailler dans les meilleures conditions. Le président de cette chambre, le professeur Modeste Bahati, a procédé à la réception du nouveau bureau Pimpin 9. La cérémonie s'est déroulée le mardi. Au total, 13 locaux ont été construits dans le respect des normes pour permettre aux agents de l'administration du Sénat de travailler dans des meilleures conditions. Tout a commencé par une visite guidée sous la conduite du responsable de l'entreprise qui a réalisé des travaux. Paraphrasant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a toujours soutenu le slogan « Le peuple est d'abord », le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, s'est dit très fier de cette réalisation avant d'ajouter « Si nous l'avons fait, c'est pour nos agents d'abord ». Le professeur Modeste Bahati a également indiqué que ces nouvelles infrastructures ont été réalisées grâce aux économies que son bureau a pu faire sur les frais de fonctionnement. Le secrétaire général du Sénat, Jean Moukwala, a exprimé également sa satisfaction pour cette réalisation avant de demander aux agents et cadres de l'administration de bien veiller sur ces nouveaux bureaux équipés. Aujourd'hui, l'administration du Sénat a ajouté dans sa gibecière 13 nouveaux locaux dans son parc immobilier, lesquels locaux répondent aux standards internationaux des normes de construction des bâtiments qui servent de lieu de travail. Honorable Président, je sais que vous êtes un homme de parole et d'action. Votre parcours politique le témoigne à suffisance. Mais je sais aussi que vous êtes un homme de surprise. Et dans ce terrain-là, je sais que vous allez exceller. Les élections approchent, c'est vrai, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. Les agents de l'administration du Sénat ont promis de bien entretenir ces nouvelles infrastructures construites par l'entreprise Global Business Construction. Parlons politique à présent. Les allégations des opposants au sujet de l'opacité et du manque de transparence dans le processus électoral sont considérées comme des préjugés et des procès d'intention. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a souligné lors d'un briefing de presse qu'il a organisé en début de semaine. Patrick Muyaya a invité les opposants congolais à quitter la périphérie. Suivez son propos recueilli par votre rédaction. Que des préjugés. Jusqu'à penser que le gouvernement ou l'Union sacrée ou le président de la République, on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains. C'était de l'agitation à gauche, à droite, des procès d'intention, des préjugés. Encore une fois, vous voyez que les choses ne se sont pas passées. Parce que justement, les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, c'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison,
Il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse. Comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à la première, aux premières élections plurielles. Nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité. Mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ses opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la Commission électorale indépendante. Vous le savez, cette période préélectorale agite les états-majors des partis politiques. Un analyste politique, Cicéron Ouamba, pense que les opposants ainsi que les acteurs du pouvoir en place doivent bannir la haine, mais plutôt travailler pour l'intérêt du peuple congolais. On l'écoute. Il y aura bel et bien des élections, bien que les climats devant lesquels se présente notre pays semblent un peu douteux, mais le train des élections est déjà en marche. La démocratie, vous voyez, la démocratie comme un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, se manifeste, et l'état de droit d'ailleurs, ce qui prouve à suffisance que le climat est bon et la démocratie, la transparence des élections sera assurée, et que vous avez suivi, la Commission électorale nationale indépendante vient de valider même quelques-unes des candidatures qui avaient des doutes. Et aujourd'hui, nous savons bien que nous avons une commission électorale nationale indépendante qui tient compte des aspirations du peuple congolais. À ce qui concerne la campagne électorale qui s'annonce, j'interpelle le peuple congolais de toutes les provinces du pays et de la diaspora que nous devons privilégier l'intérêt général du peuple congolais. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est ce Congo. La République démocratique du Congo est notre maison commune. Nous devons bannir le tribalisme. Nous devons éviter les discours de haine. Et privilégions ce que Patrice Emery Lumumba dit, que privilégions l'unité nationale. Privilégions l'unité nationale, car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. La SBL Génération Bruno Mbuya, affiliée au parti politique Mouvement des Réveils de la Jeunesse Congolaise MRJCO, pour hausser les tons contre le comportement de certains acteurs politiques à la veille des élections. Ces derniers tentent de manipuler la population du territoire d'Ilebo à travers une discrimination sans précédent. Cette SBL a fait entendre sa voix à travers cette déclaration lue par Archange Nzengu, porte-parole de GBM et secrétaire et communicateur de MRJCO. Alerte de la jeunesse d'Ilebo, évoluant au sein de la génération Bruno Mbuya, JEBM ASBEL en sigle, structure affiliée au parti politique MRJCO, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Nous avons suivi avec autant de regrets et d'amertume les propos discourtois de certains politiciens visant à diviser et à déstabiliser de plus en plus les territoires d'Ilebo, pourtant hospitaliers et accueillants, où tout le monde a sa place pour vivre en paix et que le traitement des questions administratives se poursuit dans une mixité sympathisante.
En effet, c'est au regard d'une interprétation mal placée de cette situation que nous, jeunes de la génération Bruno Mbuya Asbel, en vertu de l'idéologie humaniste pour laquelle milite notre cher et beau parti, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, tirons une sonnette d'alarme pour l'éveil de la conscience collective, de l'instauration d'une vigilance permanente et de la prise de responsabilités surtout radicales face aux valeurs politiques historiquement démagogues et activistes d'une conservation injuste du pouvoir démocratique dont le peuple serait détenteur primordial. Dans cette perspective, nous venons alerter la population du Lobo en général et la jeunesse en particulier du danger que court notre terre natale à la suite de telles déclarations qui ne présentent aucun souci de cette population qui, depuis les décennies, souffre dans son âme et dans sa peau dans une précarité indéfinissable. Il est admissible et inconcevable de cautionner une telle menace en cette période où le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton, est sur plusieurs fronts afin de pacifier totalement le pays qui fait face à l'agression injustement imposée par le M23-RDF sous couvert du Rwanda. Le combat de l'ASBL Bruno Mbuya demeure l'apaisement de la population d'Ilebo qui mérite vivre mieux comme les autres populations d'autres territoires, étant donné que le territoire d'Ilebo est très hospitalier. Encore une fois, je vous propose de suivre Archange Nzengu, communicateur de MRJCO. Étant donné que l'histoire pourrait aussi nous servir de référence précise lorsqu'il nécessite l'analyse logique de faits. En 2017, compte tenu des contextes surrapportants, dans la province du Kasaï, il s'est affirmé à coup actif, ramifié à coup passif, la guerre civile de Kamwenansapu, dont les désastres sont catastrophiques sur le plan humanitaire. Par ailleurs, les dommages causés se justifient par les mouvements plus ou moins continus des milliers de déplacés par jour en provenance des territoires activement touchés, entre autres ceux de Luebo et de Tshimbulu qui ont dû venir en refuge à Ilebo. C'est sous la noble générosité de populations locales vivant en harmonie de fraternité et par l'accompagnement loyal de l'administration territoriale que la cité portière du Kasaï s'est montrée hospitalière à cette population qui fuyait la guerre de Kamwenansapu. En réalité, le territoire d'Ilebo regorge de par sa position géostratégique des potentiels qui lui auraient offert une place majestueuse parmi tant d'autres cités avancées du pays. Faute d'un comportement irresponsable et divisionniste, elle n'y est même pas. En somme, nous ne laisserons jamais les ennemis de notre peuple profiter de notre faiblesse et de notre désengagement pour s'imposer en notoriété et nous poignarder dans les dos. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, que vive la Jeubem Asbel, que vive la jeunesse d'Ilebo. Je vous remercie.
Le chef spirituel de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, les tokoïstes, accompagné d'une forte délégation, était le vendredi dernier dans les installations de l'hôpital général de référence de Kinshasa pour apporter un sourire aux malades internés dans cet hôpital. Son éminence Alfonso Numes Maimona ne s'y est pas rendu bredouille. Il a apporté un lot important de produits pharmaceutiques qu'il a personnellement remis au directeur général de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Reportage Fifi Kalumbwe Torres Atibou. Dans sa peau d'humaniste, le chef spirituel des tokoïstes a tenu à poser cet acte humanitaire pour pallier aux problèmes sanitaires des Congolais internés à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Arrivé sur place, son éminence, le bishop Alphonse Nunes Mayamona, a tout d'abord rencontré les médecins directeurs de cette institution sanitaire, le docteur Divin Ginzambi Jean-Paul, avec qui ils ont eu un tête-à-tête sur la situation des malades internés à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Après ces pourparlers, la délégation de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, avec à sa tête son éminence des bishops Alphonse Nunes Mayamona, a sillonné les différents pavillons de l'hôpital général des références de Kinshasa pour une visite de fraternité aux Congolais internés. Le chef spirituel des tokoïstes a visité les malades immobiles sur les lits de l'hôpital. C'est référent à la parole de Dieu tirée du livre de Jacques 5,15 qui dit que la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Son éminence a dit une prière de foi à l'intention de tous les malades internés. Au-delà de la prière dite, son éminence Alphonse Nunes Mayamona a réconforté les malades à son passage. Il a aperçu les différents cas des maladies qui nécessitent également l'accompagnement spirituel. À l'issue de sa visite à l'hôpital général des références de Kinshasa, le chef des tokoïstes a remis un lot important de produits pharmaceutiques pour une nécessité des indigents et malades malheureux. Un geste salué avec enthousiasme et cœur d'amour par le médecin directeur de cet hôpital général, le docteur Divin Ginzambi Jean-Paul. Nous sommes très heureux. Je pense que l'église tokoïste est une œuvre aussi caritative. Et donc, le fait d'avoir pensé aux patients qui sont à l'hôpital général, nous, c'est un mot de remerciement. Et c'est l'exemple à suivre. Je sais que l'État fait sa part, mais il y a bien de choses qu'il faut arriver à faire et que les efforts puissent se mettre ensemble. Dans les cadres de soutien aux malades, la main est tendue vers toutes les organisations, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien apporter leur aide, leur appui aux malades. Donc, ils ont eu le temps de visiter les malades, de prier avec le malade et de donner à l'hôpital de médicaments pour pouvoir soigner les indigents. Pour sa part, les leaders spirituels des tokoïstes, son éminence Alphonse Nunes Mayamona, circonscrit ses gestes en ces mots. Pour la santé, c'est ce qu'on a fait. Mais ce qui a été espoir, a été foi, a été espérance, c'est que mes collègues nous ont dit que nous avons été en train de se faire. Nous avons été malades, malades en Afrique, nous avons été en train de se il y a premier monde et ça les sociétés locaux là-bas ils contournent bas hôpital mususu bas bâtiment mususu mais pour le coup il y a bas malades bas longues bas qui n'ont pas de soins sika pour ceux qui sika peuvent monter malade des allées à Kitoko à guérir Noki. Au-delà de tout, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde soutient que la volonté de Dieu soit un partage pour tous les malades trouvés sur place. Le chef spirituel de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, qui en séjour en République démocratique du Congo dans le cadre d'un périple missionnaire, a été également reçu par plusieurs autorités du pays. À l'issue de ces rencontres, le numéro 1 des tokoïstes voit la République démocratique du Congo très développée, la fin de la guerre, mais également il a apprécié l'hospitalité du peuple congolais. On l'écoute au micro de Fifi Kalumbwe et Torres Atibou.
c'est Pelmingi, on a Congo, c'est que nous sommes allés au Tambola, le ministre, le directeur, le bourgmestre, le bourgmestre, le administrateur, nous sommes dans la joie d'être aujourd'hui ici au Congo. Partout où j'ai été reçu par les autorités politiques et administratives, j'ai senti que tout le monde est un enfant de Dieu. Hier, nous avons été reçus par le ministre de la Culture et son vice-ministre. J'ai entendu de sa bouche comment les Congolais croient en Dieu. C'est ce qui fait ma joie. J'ai la foi que lors de notre prochaine arrivée ici au Congo, nous trouverons le Congo en paix et la guerre va se terminer, la cohésion va s'installer parce que le Congo est un pays très grand. D'ailleurs, le mot Congo en ma langue signifie un lieu de rencontre, raison pour laquelle vers les années 40-45, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus visiter ce pays, le Congo, pour savoir comment eux aussi peuvent orienter et libérer leur nation. Aujourd'hui, le Congo a fait un recul parce qu'il n'y a plus d'unité. C'est pourquoi nous prions et implorons la grâce de Dieu et sa miséricorde sur le Congo. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que l'unité puisse régner et que toutes les autorités politiques, surtout nous les autorités religieuses, puissions dire au gouvernement ce qu'ils peuvent faire de bon pour ce pays, le Congo. Parce que si nous ne leur disons pas ce qu'ils peuvent faire, ils ne sauront pas quoi faire. Raison pour laquelle nous leur disons de faire ce qui est bien pour ce pays, le Congo, et nous croyons que la guerre va finir et le Congo va retrouver sa place dans les concerts des nations parce que le Congo c'est un pays grand. Toujours dans le cadre de la religion, sachez que le contrôle individuel des serviteurs et servantes de Dieu œuvrant au sein de l'Union des Églises indépendantes au Congo a débuté. Le lancement de cette opération a eu lieu ce samedi 4 novembre 2023 au siège de l'Église dans la commune de Barombo. Fifi Kalumbwe, Enoch Mafuka. Cette opération de contrôle individuel des leaders des églises, membres de l'Union des églises indépendantes du Congo, organisée sous la demande du ministère de la Justice, vise l'identification de ces derniers afin de protéger et réguler ces secteurs. Sur place, il était question de remplir les formulaires d'inscription au tableau d'ordre des clergés de l'Union des églises indépendantes du Congo, copies qui seront transmises au ministère de la Justice pour les comptes des différents membres et représentants légaux de la confession religieuse de l'Union des églises indépendantes du Congo. Pasteur responsable de l'Union, trois ans à l'Union des églises indépendantes, de l'autre lancé contrôle du ministère de la justice. Il y a un vendi aux occupés, il y a un ministère de la justice a le contrôle. Il y a toujours invité ma clergé, ma évêque, ma révérend, il y a un contrôle physique. Et puis, annonce l'église de telle manière qu'il faut la protéger dans le colo. Et où tu es par la bichoté, il y a un gens qui est agent, il y a ministère, il y a justice, les bayas qui peuvent nous contrôler. Je suis pasteur, moko, il y a l'Union des églises indépendantes pour que aux joies formulaire au rempli afin que aux la protéger. En cette première journée, l'opération s'est déroulée en bonne et due forme en présence du chef spirituel et représentant légal de la confession religieuse de l'Union des églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Dinga Maluta. Toutefois, l'opération se poursuit. Il est donc demandé à tous les représentants légaux de se faire enregistrer au siège de l'église Tronc des Grâces, 6 Kabambaré, dans la commune de Barombo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end chez vous et bonne suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.